Amis rotariens, amis rotariennes, bonjour. Depuis le 9 juin que nous nous sommes rencontrés sur Grenoble pour vous présenter un petit peu notre projet Cooper Rider qui consiste à voyager autour du monde à moto et qui plus est avec mon compagnon d'aventure et de fortune Cooper que vous pouvez désormais admirer en présence de notre nouvelle machine. Et oui, on a été livré, on a reçu notre nouvelle moto avec les couleurs du Rotary pour les jantes. Attention, voici les belles jantes en référence à votre beau logo. Eh bien écoutez, notre aventure continue. Cette aventure, elle va continuer cette semaine à l'entreprise Baxter qui se situe à La Ferté-Macé. Et Baxter, qu'est-ce que c'est ? Baxter, c'est un équipementier qui fabrique de la bagagerie, des accessoires pour la moto notamment. Et c'est eux qui sont à l'origine du sac de Cooper, dont j'ai eu la curiosité et la spontanéité de les appeler, en leur exprimant mon souhait d'améliorer le produit, qui est un très bon produit. C'est d'ailleurs un des seuls produits qui existent sur le marché. Donc, disons, ils ont tout mon respect pour le coup de ce côté-là, parce qu'un équipementier qui vend un produit sur lequel le marché n'est pas forcément le plus propice, parce qu'il n'y a pas beaucoup de motards qui roulent avec leurs animaux de compagnie. Eh bien, écoutez, j'avais vraiment à cœur de les rencontrer pour leur permettre d'améliorer ce produit et ainsi permettre à Cooper de voyager dans de bien meilleures conditions, notamment en sécurité, parce qu'il y avait quelques axes d'amélioration au niveau des axes des pieds de fixation. Donc on va aller les rencontrer cette semaine pour faire notre petit retour d'expérience sur tout ça et ainsi permettre à Cooper d'avoir un petit sac sur ce beau réservoir qui sera sur mesure et adapté pour les différents climats qu'on va rencontrer, notamment les climats plutôt chauds pour le coup, parce que notre prochaine aventure qui démarrera au mois de septembre, et je compte sur vous pour participer. Et on va partir du Puy-de-Dôme pour faire le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle jusqu'en Espagne, Portugal, et ensuite on descendra du côté du Maroc. Je ne sais pas combien de temps ça va nous prendre, à peu près 4 mois. Et pendant ces 4 mois, et ben écoutez, je vous invite à rentrer en contact avec nous, à nous suivre sur notre site internet cooperrider.fr, sur lequel vous pourrez également suivre notre tracé GPX. C'est-à-dire qu'on a une rubrique qui s'appelle Destination sur le site, sur lequel vous pouvez voir où nous sommes en direct. Et vous aurez donc notre itinéraire, vous aurez les points sur lesquels nous nous sommes arrêtés, où nous avons campé. Bref, c'est assez complet. Et donc on va travailler sur la connexion de cette moto prochainement. Donc je pense d'ici la semaine prochaine, on aura avancé sur la question. Et on partagera également des articles sur le site internet, sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook et Instagram. On partage notre quotidien sur ce qui nous arrive dans la journée, nos émotions, nos rencontres également. Et vous allez aussi rencontrer sur Facebook toutes les photos de nos différentes aventures, pérégrinations que nous allons réaliser. Et donc, dans ce cadre et de partenariat avec le Rotary, notamment, et je vous en remercie particulièrement, eh bien, ça pourrait être intéressant que vous nous proposiez, à travers les commentaires, à travers également nos différents canaux de communication, eh bien, des clubs rotariens auxquels vous croyez, qui interviennent sur des projets intéressants et qui mériteraient notre attention pour que je puisse m'y rendre, les rencontrer, tourner des vidéos et potentiellement les interviewer pour qu'ils puissent présenter un petit peu les actions qu'ils mènent tout au long de l'année. Et bien voilà, j'espère en tout cas que cette aventure vous plaira, vous aurez de quoi vous évader, voyager à travers nous et également à travers votre communauté rotarienne. Donc n'hésitez pas à rentrer en contact avec nous, à nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, YouTube également, parce que la chaîne n'est pas encore bien garnie, elle commence. Donc n'hésitez pas à nous suivre et à vous abonner à ces différents canaux de communication et à participer. Surtout, on compte sur vous pour que justement vous nous mettiez en contact et que vous fassiez jouer votre réseau. Et pourquoi pas se rencontrer sur chacune des destinations, à savoir qu'aujourd'hui, notre projet se porte essentiellement sur l'Espagne, le Portugal et le Maroc. Mais on a déjà été jusqu'au Liban avec Cooper, on a voyagé pendant presque 2 ans. Et on est monté ensuite du côté de la Suède et de la Norvège et des pays du Nord. Donc on a maintenant pas mal bourlingué, si je puis dire. Mais l'aventure, elle ne va pas s'arrêter là. À la fin de ces 4 mois, il y aura d'autres étapes, d'autres challenges qui seront mis sur plan. Et si ça vous intéresse de suivre tout ça, et bien écoutez, ça se passe ici, sur la chaîne YouTube et sur vos réseaux rotariens. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Merci pour votre confiance et à très bientôt.